fuck like anaconda. Why you trying to buck up? My money got way longer. Do you need a close up? I'll place another comma. Yeah, always round up. My dick can cause a trauma. Yeah, she want to hook up. I'm quite a G, so I made a nun. There's 1, 2, 3. Goody trying to suck. You is a flea. And I'm just warming up. Yeah, 3, 7, 5. I fight like anaconda. Why you trying to buck up? My money got way longer. Do you need a close up? I'll place another comma. Yeah, always round up. My dick can cause a trauma. Yeah, she want to hook up. But I'm cold and I'm hot, and that's probably why she talk. I was told that I pop, and these labels getting blocked. Your shit old, I'm on top. And I'm sorry that you flop. Take a full toe like a thought. And your shorty cutting crop. Thick, thick chip, feel slick. Want my energy? Huh, short dick. Eh bien, salut tout le monde, c'est NajaFX, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel, donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour la vidéo tutoriel que j'avais prévue, normalement, depuis un certain temps, mais j'ai jamais eu le temps de le faire, et comme on est en vacances, j'ai prévu de le faire. Donc on va commencer directement. Du coup, j'ai choisi cette musique. Voilà, de toute façon, il y a le titre sur la piste. Donc je vais faire écouter hein, ça. Voilà, donc voyons ce que c'est. Donc là, ce sera vraiment une vidéo montage. Genre, ce sera pas un edit, genre violent, tu vois. Ouais, enfin, si c'est montage, ouais, enfin, tu vois, c'est pas un gros truc violent, vénère que je vais faire, tu vois. Donc, on va commencer directement. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que j'ai déjà prévu mes clips là, parce que la flemme de les chercher, tu vois. Et donc, du coup, je vais commencer direct. Donc, là, je vais créer une piste vidéo, c'est juste pour mettre mon intro et. Bon, voilà, mon intro, quoi, tout ça. Et, what the fuck. Okay. Là, faut que je mette écran. Voilà. On va commencer un petit peu plus tard. Ou ça, je la mets carrément à la fin. Je charge juste avant le drop. Ça peut pas. Voilà, nickel. Donc je vais faire ça directement. Donc je vais commencer par le premier clip direct. On va enchaîner hein, par contre les deux pistes. Je vais mettre en dessous celle-ci. Voilà. Parce que je trouve que c'est mieux. Et la musique, je vais mettre au-dessus. Comme ça on fait pas attention à ce qu'il y a en dessous. Faut que je puisse la mettre au drop. Voilà, donc bon, vous allez bien voir que mes clips ils bug hein, parce que mon PC voilà il assume pas trop donc là je vais faire un pré-rendu pour vous montrer vite fait sur mes couilles hein, c'est juste un voilà. Donc là hop donc là vous voyez que là ça change un peu de musique enfin genre le drop il est tu vois c'est fait pour une transition tu vois. Tu capes. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais créer une autre piste. Je vais ajouter un. Non, pas du tout. Je vais ajouter un effet. Du coup, je vais mettre du dissolve shake. Je sais pas où il est. Wesh. Ah merde, ok. Je suis très con. Voilà. Hop, du coup, maintenant, on va créer un point. Merde, je vais pas créer comme ça, en fait. Je suis très con. Hop, on va créer un point ici. Donc là, on voit le point, donc là. Hop, je l'agrandis pour vous voyez mieux. Et là, donc là, vous augmentez. Enfin, moi, j'augmente. Je fais un peu à l'arrache. Hein. What the fuck? Ouais, le speed est là-bas augmenté. What? Ah oui, ok, pardon. Excusez-moi. Voilà. Donc là, c'est juste la partie shake. Hein. Enfin, genre, le vite fait. Hein. Rapide. Rapide. Hop.
Et là, vous devez, parce qu'en fait, si vous le laissez là, en gros, ça s'appliquera pas sur les pistes d'en dessous. Donc, du coup, en fait, vous passez le dissolve shake au-dessus de composite. Enfin, voilà. Et du coup, ça l'active pas, en fait. C'est complètement con, mais du coup, normalement, ça l'active. Voilà, ça. Voilà, nickel. Et donc là, ce que je fais, moi, c'est que je rajoute un shake Y. Donc là, ce que vous pouvez. Moi, je vais le créer. Hein, la flemme de vous montrer. Voilà, enfin, t'as capté. Hop, shake. Ou soit je le crée pas parce que j'ai trop laf, parce que c'est trop long. Y, voilà. Hop, hop. Y shake, c'est vraiment pas compliqué à faire, hein, vraiment. Si vous comprenez les bases. Déjà, je pars du principe que vous avez déjà les bases de Vegas, quand même. Parce que. Si vous comprenez pas ce que je fais là, déjà. Ouh, vous êtes mal, hein. Donc là, en fait, ce que je fais, c'est que j'agrandis. Enfin, je mets toujours 3 points, c'est ce qui me paraît logique, pour augmenter et diminuer le shape, en fait. Voilà, et donc là, normalement celui-là je le mets plus loin parce que c'est du Y. Donc là je fais un. Et oui, je suis très con. Là je mets le long. Non, rapide, pardon. Donc par contre, j'ai mis la fréquence comme un trésor. Voilà, regardez ce que ça donne. Ça va en faire parce que j'ai trop court. Voilà, je suis trop court. Ah merde! Ok, donc en fait ça s'applique pas. Vous voyez que dès qu'on met terre composite, bah, ça s'applique pas en fait. Donc du coup c'est très chiant. Et voilà. Je sais pas si ça marche. Ah voilà. Hop, donc là. Bon, moi je suis obligé de full pré-rendu parce que bon, hein, mon PC, hein, c'est pas de la qualité française, hein, donc c'est très chiant. C'est pour ça que je mets du temps des fois à faire des montages. Voilà, tu vois la fréquence là, elle est passée au-dessus. Donc je monte. Voilà, là c'est bien. Sauf que ça frise du coup, on voit pas. Vous voyez que là ça frise. Alors je peux pas regarder. Donc c'est très chiant. Du coup là je fais lecture en boucle. Non pas du tout. Je sais pas ce que j'ai créé. Je suis très con. Hop. Voilà, là j'ai passé 10 ans sur ça, mais c'est vraiment la base en fait du montage. Et après je vais vous montrer plein d'effets. Enfin il y a plein de trucs qui arrivent. Hein. Hop. Hop, voilà. Ok, et attends, du coup, là, en fait, la fréquence elle est pas si haute et l'amplitude est beaucoup trop haute. Du coup, je diminue. Voilà, là, ça sera. Là, normalement, c'est nickel, tu vois. Voilà, là c'est parfait. Hop, nickel. Donc là, lecture en boucle. On enlève. Hop, et là en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un ralenti. Hop, ici, on va faire un petit ralenti. Donc c'est insérer une enveloppe. Donc moi, je l'ai changé de couleur. Hein. Normalement, vous voulez verte. Et là, vous faites. Bah, partez du principe que vous connaissez hein, quand même. Hein. Normalement, c'est Shift. Et vous, du coup, ça vous met le crayon. Et là, je vais mettre un ralenti. Donc là, du coup, vous vous appuyez, ça fait un point. J'ai déjà montré sur le tuto précédent. Et là, du coup, je réaccélère. Et en fait, ce qu'on va faire là, ce qu'on fera en effet tout à l'heure. Donc là, on va mettre directement le deuxième clip, sans plus attendre.
Oh là là, la longueur de mon PC, c'est incroyable. Ouais, c'est dur, hein. C'est... Oh putain, le Kimio, il a putain, je vais devoir couper, revenir. Voilà. Parce que les chats qui miaulent là, ça casse un peu les couilles. Tiens. Du coup, là. Hop, hop. Hop là. Du coup, là, ce qu'on va faire, en fait, c'est que vous allez prendre. Vous voyez ça? Et merde, là, il y a un petit bug. Hop, je vais le mettre à 0. Voilà. Vous voyez. Putain, là aussi, il y a un bug. Donc là, vous allez prendre le premier point ici et vous allez faire CTRL. Et là, vous allez faire SHIFT. Hop, CTRL-C. En gros, vous sélectionnez les deux en faisant CTRL, hop, et vous sélectionnez tous les points. Genre comme ça, si vous voulez. Et faire CTRL-C. Et donc là, on va CTRL-V ici. Hop. Voilà. Donc là, normalement, c'est bien. Eh putain, si j'avais un bon PC, ça aurait été tellement bien. Mais bon, hein, on fait avec. Voilà, donc là, franchement, ça va vraiment pas mal. J'ai plein d'idées. Ça fraise, bon ça. Et là, vous voyez, on va faire directement l'effet ici. On va, en gros, vous allez faire FX. Vous allez dans. Ah ouais, merde, mais j'ai pas mis la CC. Oh, ouais, c'est pas grave. Donc, on va faire FX, on va faire noir et blanc. Il est où? Noir et blanc, là, rajouter. Et on va mettre du film dommage. S-film dommage. Voilà, ça. Donc là, ça fait un truc bizarre. Et donc là, grain, on l'enlève parce que c'est moche. Le grain, je sais pas si vous voyez ce que ça fait. Ça fait ça. Voilà. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est que le dissolve shake, ici, on va le rajouter à la petite basse. Donc en fait, là, je suis un peu enrhumé aussi. Donc je parle un peu avec le nez, c'est assez atroce. Ah, ça c'était pas ouf. Donc là, on le met à peu près, voilà. Et là, on le remet ici. Vous le mettez au début, à la fin. Enfin, genre moi, c'est mes basses. Hein, donc, vous faites en fonction de vos basses, en fait. Sinon, vous pouvez pas faire. Hein, ouais, clairement. Voilà. Là, c'est nice. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre la musique, vous allez la descendre. Merde. Et du coup, je la descends là. Enfin, vous la mettez sur notre piste, quoi. Enfin, voilà. Vous mettez. Merde. Voilà. Vous la mettez sur notre piste juste en dessous. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez avancer un petit peu là. Avancer un petit peu là. Vous allez mettre un fondu des deux côtés. Hop, un petit peu. Et pareil au-dessus. Voilà. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire l'effet de. Ah non, vous allez aller sur le FX. Non, non, allez, on va faire l'effet de piste, ça sera plus simple. Vous allez dans effet de piste. Vous allez dans FX. Filtre résonance. Ajouter OK. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est que. Normalement. Je crois qu'il y a juste à faire ça. Je sais pas. Voilà, bah, vous avez juste à prendre filtre résonance et le mettre le plus bas possible. Le premier fréquence de Hertz, vous la baissez. Voilà, nickel.
Voilà, et là, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre du S-Blur Mocure. Donc, S-Blur Mocure, c'est un effet plutôt basique, hein, mais que j'utilise souvent. Du coup, là, on va prendre le Z-List. Vous allez là, vous allez mettre un plan. Vous allez zoomer. C'est clairement zoomé. Vous allez mettre là, le premier point, vous allez mettre en long. Et je sais pas si vous remarquez, mais du coup, l'effet met plus de temps à arriver. Voilà, du coup, là, on avance un peu. Et là, pareil, du coup, on le copie-colle. Moi, je fais copier-coller des attributs d'événements. Du coup, ce qui ça fait, ça va copier la ligne, mais sauf que j'en ai pas besoin. Du coup, on va l'enlever. Hop! Et du coup, là, on a le cœur qui est mis. Et en fait là on va dézoomer, genre, on va mettre comme ça et on va mettre reflet et ici vous allez mettre rapide, voilà, du coup la courbe elle va, je sais pas si vous avez compris en fait ce que je viens de faire, mais c'est vraiment tout con, hein. Je sais pas si ça a marché déjà. What? Ça a pas marché. Ah! Mais non, je suis con en fait. What? Attends, mais pourquoi ça a pas marché là? Ah, ok, d'accord. Oui, en fait, je suis vraiment teubé. En gros, j'ai inversé les deux. Voilà, c'est génial. Je suis vraiment très fort. Du coup, là, on va zoomer. Voilà. Pas trop, hein, parce que voilà. Putain, j'ai dit, voilà, faut pas que j'y sois. C'est pas bien. Du coup, après, là, on dézoome. Voilà, on fait. Hop. Là, on met à 1. C'est le truc de base. Et on met à rapide. Et là, normalement, c'est bon. Je sais pas si vous voyez ce que ça fait. C'est une espèce de transition. Et vraiment, c'est la transition la plus clean. Enfin, l'une des transitions les plus clean que je trouve. Voilà. Voilà, nickel. Donc là, on continue. Donc là, non, il s'est fait défoncer. Voilà, donc là, je l'ai buté, je crois. Attends, on va continuer l'action. Voilà, nickel. Donc à partir d'ici, on part. Et donc là, vous voyez le i, enfin, ça fait un truc genre j, et donc en fait, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire. Vous allez remettre un effet, je pense qu'on va mettre. On va mettre STV dommage, je crois. Non, simulateur de TV, pardon. Excusez-moi. Donc là, tac. Là, vous mettez tout à zéro sauf les deux du milieu. Hop, animé. Là, vous allez aller plus loin. Vous allez faire. Vous allez baisser le synchro vertical et celui-ci. Le synchro line. Donc là, vous voyez que ça fait un petit truc. Là, on va mettre lent. Non, ça fait un truc. Voilà, ça donne. Là, mon PC, il assume pas. Donc là, celui-là, on l'éteint. Enfin, on l'éteint n'importe quoi. On le supprime. Et en fait, là, en gros, on va faire un fondu. Voilà. Et voilà, non, là, c'est bien là.
quand ça bug, donc je peux pas vous faire un... Oh, c'est trop horrible quand ça bug, c'est chiant. Je vous jure que ça me saoule que d'avoir un PC aussi pourri. Hein. Après... Qu'est-ce que je peux mettre? Je sais pas si je mets celui-ci. Non, allez, allez. Non, vas-y, ouais, mais... non, allez, celui-là. Bon, on le fait dans l'eau. Tac, donc là. Donc la basse, elle est ici. Donc là, ce que vous allez refaire, c'est vous allez continuer à... En fait, je crois que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre toutes les basses et je vais copier-coller toutes les basses, parce que sinon, ça va être rouge. Sinon, on est encore là demain, tu vois. Et le tuto, il va durer trop longtemps. Déjà, là, je pense que ça fait là longtemps. Là aussi, parce que je vais faire un truc. Voilà, nickel. Donc là, on va reprendre. Hop. Là, on va remettre une course. Ah là, nice. Donc après, de toute façon, vous les voyez, elles sont juste au-dessus. Donc là, on va prendre ce clip-là aussi. Mais d'abord, on va s'occuper du premier. Donc là, ce qu'on va faire... je sais pas quoi faire. Ah oui, c'est ça. Hop, couper. Hop, et là, vous allez faire la même chose que tout à l'heure. Vous allez couper la musique et vous allez la mettre en dessous en fondu. Pareil de l'autre côté. Hop. Et là, en fait, ce que je vais. Je sais pas quoi faire. Du coup, là, qu'est-ce qu'on va faire? Oh, j'ai une idée. On va prendre Ice Blue Curve. Ajouter. Ok. The 10. On va sur premier, on met ça. Après, on va plus loin. Non, genre, c'est où la deuxième base? Ah oui, d'accord. Ah oui, ok. Elle est vraiment en fait. Voilà. Et là, après, on va mettre 0. Ah non, 1. Pardon. Parce que 0, c'est plus utile. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la placer. On va créer une piste vidéo. On va mettre cette vidéo au-dessus. On va la dupliquer en maintenant CTRL et vous cliquez. Enfin, genre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre, tu prends la vidéo, tu fais CTRL et ça va la dupliquer directement. Hop, et tu la glisses du coup après. Du coup, là, ça, on arrête d'animer. On met 1 et on met un flou. S-blur pour ma part, je pense. Je sais pas où il est, là. S-blur. Voilà, nice. Donc, on met pas trop, on met comme ça. Si c'est beaucoup, ouais. Voilà, comme ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que... on va prendre S-drop. Hop, shadow, comme ça. Et vous allez le mettre en... Comme ça, voilà. Vous prenez mes trucs, moi. Je vous laisse prendre un screen. Donc là, normalement, ça fait un truc vraiment pas mal. Hein. Oula, je sais, c'est un peu gauche. En fait, je l'ai monté trop haut ici. Donc, du coup, c'est un truc moche. Voilà. Et là, on va mettre long. Long rapide. Thank you.
Nice. Du coup, qu'est-ce que je voulais faire? Qu'est-ce que je voulais? Donc là, on va supprimer la vidéo pour qu'on revienne à des drops. Mais je sais pas comment je vais faire pour que ce soit beau. C'est dégueulasse, hein. Je l'annonce. Oh nice. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer encore une piste de vidéo. Et en fait, je vais prendre le pack de Rat Knight. Donc, vous avez là-dedans. Moi, j'ai mis dans VTS, Rat Knight. Voilà, donc le Rat Knight, c'est un nouveau pack qui va sortir récemment. Et je vous conseille, hein, clairement. Hein. Et c'est un truc de ouf. Hein. C'est un truc de malade. Donc, qu'est-ce que je voulais faire? Overlay glitch. Voilà, là il y a vraiment masse de trucs. C'est vraiment un cran malade. Je sais pas comment il a fait pour prendre ça. Je crois que c'est celui-là que je voulais prendre. Voilà, c'est celui-là. Donc là, vous allez prendre un glitch. Tac, vous mettez au-dessus. Tac, vous supprimez la piste. Et en fait, en le mettant dessus, vous allez encore recréer une piste vidéo. Vous la mettez ici, juste au-dessus. Et en fait, là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire écran. Et normalement, je pense que c'est bien. Mais en fait, je sais pas. Je sais pas du tout, en fait. Je crois que c'est dégueulasse, mais c'est pas grave. Même pas à voir tellement ça. Et je crois que c'est moche. Bon, non. Donc je vais pas prendre celui-là. Je vais prendre genre ça. Ça c'est bien ça. Voilà, ça c'est bien parce qu'il est noir. Et comme il est noir, bah en gros tu peux avec écran, c'est plus simple. Et là je viens de crash, c'est génial. Ah, j'ai pas l'autorisation. D'accord. Il veut pas, genre. Genre j'ai pas droit. Sérieux? Putain, mais en plus je l'ai fait, je l'ai téléchargé avec QuickTime. Mais cool, du coup il marche pas. Putain, mais du coup je peux pas le mettre. Quel chien, c'est pas grave. Bon, on va faire ça. On va faire la vue technique du bled en transition. Vous allez chercher UniGlitch, donc c'est le plugin Universe. Je sais pas où il est. Y a pas de UniGlitch là? Wesh, il n'y a pas. Ah, okay. C'est bon, je t'ai trouvé. Là, par contre, il est assez violent. Je peux vous mentir. Il est quand même bien violent. Mais j'aimerais. Je pense qu'on peut baisser. What? Mais c'est encore pire! Ah ok. Oula. On va partir sur ça. Hop, donc là. Attends, putain. Voilà, lenteur mon gars. Incroyable. Vraiment phénoménal. Je crois que je vais même pas faire la prévision parce que et c'est pas drôle. Surtout pour vous. Donc on va faire la suite. Donc j'en étais où? Ah oui. Donc là on a fait la petite montée là. Et en fait là ce que je vais faire c'est que je vais prendre FX. Je vais faire FX là. Et en fait je vais faire un correcteur de couleur secondaire. Ce qui permet de changer la couleur du fond. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça, comme ça. Je vais le mettre au max, et là, je vais redescendre, comme ça, il va changer de couleur. Du coup, il va durer plus longtemps, l'effet. Donc là, vous voyez, la couleur derrière, elle est un peu. Voilà, elle est dégueulasse, totalement. C'est normal, hein, parce que j'ai pas mis de CC.
Donc là, par la suite, nous arrivons. Ah oui, là, on va mettre un ralenti par ici. Pas trop, hein. Moi, je mets 39 parce que j'ai réclamé pas mal d'FPS. Enfin, j'ai non, j'ai réclamé 250 FPS. On vous allez me dire, ça sert à rien, mais en vrai, ça sert strictement à rien. Mais c'est juste pour les ralentis, c'est plus fluide, je trouve. Voilà, donc là, la partition change aussi. Donc là, il faudra remettre un dissolve encore après. En fait, de base, le dissolve, je le mets toujours après, mais là, je sais pas, je le mets à fond, je sais pas pourquoi. Du coup, merde, c'est où que ça s'arrête? Ça s'arrête là-bas? Ah oui, ok, très bien, bah, next. Next, 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 donc on va prendre ça. Donc là, c'était, je sais plus ce que c'était, c'était un clip où j'avais spliff plein de gens, je crois. Ah oui, d'accord. C'est, j'avais spliff, je sais pas combien de personnes, j'avais spliff 3 personnes à la suite. Ok. Donc là, on va faire un ralenti encore. Allez, je vais mettre à 24. Gros ralenti, sa mère. Donc là, pareil, du coup, on va faire la même chose que tout à l'heure. Donc là, vous entendez le. Hop, dès que ça baisse, dès que ça diminue. Donc là, je vais essayer de reprendre le. Donc là, vous voyez, là, je vais faire copier. Donc là, c'était le moment où j'ai fait ça, voilà. Où j'ai fait le petit truc. Et là, je vais faire coller. En fait, tout simplement, ça va mettre le même effet. Voilà. Mais là, normalement, ça l'applique. Voilà, nice. Donc là, next, encore. Je sais pas quoi. J'ai fait un truc violent ici. Ah non, ça c'était bien. C'était drôle. Donc là, on va le remettre à la basse, encore une fois. Ok, donc là, c'est bon, ceci. Ah, on va supprimer. C'est où la basse? Là. Ok, nice. Donc là, ouais, je remettrai chaque à la fin. Voilà, oh, j'ai une idée là. Hop, tac. Voilà, ici aussi j'ai ma petite idée. Donc en gros, ce qu'on va faire. Donc là, je vais faire une transition rotation. Et S-Blur. Encore une fois, S-Blur Curve. Donc ajouter OK. Donc là, je vais essayer d'être rapide parce que je crois que je dépasse un peu la limite que je voulais faire, même beaucoup. Donc là, vous allez refaire rotation vers là. Non, pas du tout, vers là. Là, comme ça. Vous allez faire reflet. Reflet. Hein. Faites lent ici. Et là, vous allez aller sur le deuxième clic. Vous allez faire. Bah, vous allez chercher encore un peu mon cœur. J'aurais pu le copier-coller, mais c'est pas grave. Ajouter OK. Vous allez dans la rotation, comme ça. Vous allez comme ça. Reflet. Vous allez cocher la rotation pour l'animer. Et vous allez mettre 0. Voilà. Et là, vous allez mettre rapide.
Attends, on va le mettre plus rapide quand même. C'est pas abusé. Là, c'est un peu abusé quand même. Encore plus rapide. Et là, on va faire la même chose de l'autre côté, en fait. Genre, tac. En fait, là, j'ai une technique, c'est que je prends comme ça. Tac, je le mets là. Du coup, là, je coupe ici. Là, je copie. Je fais copier, coller, hop, et là du coup ça va remettre la même transition au même endroit. Si j'ai pas de bêtises. Et du coup là je refais ça, copier, coller. Et là normalement ça fait deux transitions de spin, enfin deux transitions. Je sais pas si vous avez compris ce que j'ai fait. Hein. En gros j'ai copié l'effet. Le premier et après j'ai copié le même mais dans le deuxième. Donc ça fait deux spins. Bon j'aurais pu les inverser. Oh, bah, j'aurais carrément pu. C'est pas. Ah il y a encore l'effet là. Bon bah vas-y on refait. Hein. Moi je suis pour. Hein. Du coup on va refaire tac tac. Là on va mettre en, moi je mets toujours la troisième parce que je trouve ça mieux. Donc là on va encore refaire l'effet de c'est bizarre là que vous avez compris, donc vous avez entendu. Hop. Et là on supprime, non on va le taquer comme ça. Nice. Oh, lui, ce que je lui avais mis, je suis tombé tout seul en ligne. Je suis en grosse merde. Oh mon dieu, en vrai, je pense que je vais arrêter là parce que je pense que, ouais, il y a trop de trucs. Mais enfin, je vais arrêter là, je vais faire les derniers trucs, mais là, ça va être la dernière piste. Voilà, là, je tombe tout seul dans le vide, hein, donc autant arrêter ici. Hein. Voilà, donc on a fait une minute de montage, hop, là, celle-ci, vous coupez la vidéo, vous la mettez en dessous, du coup, vous savez qu'en dessous, c'est le bruit de fond, comme ça. Voilà, nice. Donc là, maintenant, on va remettre tout shake, le truc le plus important du montage, pour l'instant. Donc là, il est ici. Donc on va le dupliquer partout. Tatatac. Attends, je vais même dupliquer le tout premier shake qu'on a fait au tout début. Tac. Non, je suis con. Je vais tomber. Tac. Ctrl-C. Nice. Merde, putain, là là, trop de trucs. J'en étais ici. Voilà, nice. Donc là, on va mettre les deux. On va mettre le studio. On va mettre le sol. Encore les deux.
Attends, en fait, là, il n'y avait pas besoin de mettre les deux. J'avais pas besoin de mettre ça. Hop, là. Et là, on va là, on va mettre que dissolve. Tac, tac, tac. Donc, next. Là, on va encore mettre le dissolve. Putain, j'ai pas fait la piste. Tac. Et là, on va mettre du shake à la fin pour la transition. Nice. Du coup, ça dégage. Donc là, ce qu'on va faire. Pourquoi il y a une piste en plein là? J'ai dû la créer, j'ai dû oublier. Donc là, on va faire la CC. Donc Magic Bullet Looks, donc déjà pour mettre Magic Bullet Looks, vous êtes obligé de mettre la prévisualisation, putain j'ai du mal avec ce mot, en complet, enfin pré oh non, en prévu, voilà, prévisualisation complet, voilà, tout simplement, je suis con. Donc là vous allez à un endroit où on peut voir un peu les clips, parce que sinon ça sert un peu à rien, genre par exemple là, là au début. Je vais faire une CC par clip, hein, parce que flemme, enfin, sinon ça va être moche. Enfin, donc là, vous faites Edit. Attends, j'aurais peut-être dû enregistrer au cas où si je perds tout. C'est un peu con. Et déjà, bien, m'assurer que je rec, ouais, hein, parce que j'ai flemme de tout coincer là. Donc, vous allez... Ouais, pourquoi j'ai un écran noir là? Ok, ben, voilà. Vous savez pourquoi? Parce que je ne l'ai pas mis au-dessus de Composite. Voilà, bravo. T'es très fort. Donc là, attends, on va enregistrer. Alors, maintenant, edit. Et là, en fait, j'ai plein de CC. Donc là, j'ai le CC du pack de Red Knight, encore une fois. Red Knight CC, j'en ai plein. Après, j'ai celui de Scoot et après, j'en ai plein d'autres. J'ai les basiques, enfin, des trucs que tout le monde a normalement. Voilà, c'est tout le monde a. Tiens, c'est. Voilà. Donc là, je vais prendre peut-être celui de Red Knight parce qu'ils sont bien. Que je sais pas si je vais prendre, je verrai. Ah merde, je suis pas dans le outil. Très con. Voilà, c'est ça qui m'avait intéressé. Ça, c'est. Ah voilà. Ça, c'est mes bêtes de CC, genre elles sont trop belles. Du coup, l'orange, on le remet. Là, je vais pas vous montrer comment faire une CC. Hein. Vous mettez votre CC. Parce qu'en vrai, c'est pas compliqué, vous avez juste à mettre enfin, bah, vous regardez ce que j'ai mis en dessous là. Et bah, vous voyez, voilà. Et du coup, vous ajustez en fait les couleurs et tout. Mais là, j'ai vraiment pas envie d'en faire. Parce que ça va être encore plus long le tuto. Donc là, oh là là, mais elle est trop belle, j'aime trop cette. Ensuite, bah, tiens. Il n'y a même pas besoin de la changer pour la prochaine. Voilà, nice. Pour le prochain clip, bah non, du coup c'est le même, donc il n'y a pas besoin. Nice. Donc là je pense qu'il y aura besoin. Oui, parce que le truc est un peu bleu. Donc là, on va faire animer. Vous allez mettre un point. Et vous allez mettre un petit point avant. Et là, vous allez mettre rien. Enfin, moi j'ai mis rien. En gros, vous allez rien mettre quoi. Ah non, quoi que. Attends, je fais la merde. Ah oui, ouais. Voilà, vous mettez rien. Et en fait, là, ce que je fais, c'est que je remets. Ah, mais non, mais là, du coup, on va devoir rechercher une autre CC. Quand le chèque est fini, quand même. Edit. Qu'est-ce qui peut être sympa? Ça peut être sympa. C'est pas mal, c'est propre. Ça, c'est quoi? C'est le flow? Non. Ah non, c'est bon. J'ai cru que c'était du flou. C'est horrible si c'était ça. Voilà, nice. Donc là, après. Bon, en vrai, je peux la laisser comme ça, hein, tout du long. Voilà, super. Hop. Donc là, on a déjà fini la CC, c'est nice. Et en fait, là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre les bandes noires. Donc, les bandes noires, vous allez faire générateur. Vous allez mettre du blanc, j'ai couleur unie, pardon,
vous mettez du blanc et là vous mettez sur toute la piste, vous arrêtez par exemple. Parce qu'on va peut-être mettre une fin. Voilà. Nice. Donc la fin, on la met ici. Putain, j'ai du mal à cliquer. Hop. Supprimer. Hop. Là, vous mettez en multimasque. Parce que sinon, ça ne marchera pas. Vous ne ferez pas votre clip. Attends. Je rêve qu'il y a vraiment du flou là, cette version. Parce que moi, je suis en improvisation. Non, il n'y en a pas. Je suis en improvisation brouillon auto. Là. Du coup, on voit rien. Après aussi, on peut jouer aussi avec les bandes noires. Mais merde, j'ai eu la. Putain, j'avais bon. Donc là, on va mettre directement les bandes noires. Donc, vous avez juste à faire cliquer sur le point, vous allez mettre, hop, vous allez grandir. Et là, vous voyez, elles apparaissent. Et moi, je mets un petit peu genre comme ça. Voilà. Là, c'est nickel. Après, vous pouvez jouer avec les bandes noires aussi. Mais c'est. Enfin, là, je vais. Est-ce que je peux jouer une fois avec un noir? Je sais pas. Ah bah vas-y, là on va jouer avec. Hop, jusqu'ici. Merde. Hop, de là à là. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que je vais faire tac, tac. En gros, j'ai scindé le truc du multimasque. Du n'importe quoi. J'ai n'importe quoi, du couleur unie. Et en fait, là, on va le monter. Genre comme ça. Même beaucoup plus. Comme ça, voilà. Nickel. Et en fait, à la fin, on va le redescendre à au même niveau que les autres. Donc, on va faire CTRL-C, le point, CTRL-V. Et plus tôt. Nice. Nice, c'est cool. Voilà, là ça vraiment c'est cool. C'est cool. Oh là là, mais c'est trop bien. J'adore. Trop sale. Là en plus, je peux même rajouter encore des effets. Bon, vous savez quoi, on va en rajouter. Hein. Hop, tac. FX. Combien de temps de règle là? Ah oui! Ah! Ah! 47 minutes! Oh mon dieu! Oh là là, oh putain. Oui. Ah oui, d'accord. Bon, vous avez quoi faire, vous avez quoi regarder. Hein. Du coup, qu'est-ce que je voulais faire? Signateur de TV, voilà. Ça va faire pareil que tout à l'heure, genre les mêmes trucs. Oula, pas trop. Oula. Voilà, comme ça. Nice. Et là, on va remettre tout à zéro. Vous aimez du monde. Voilà, nickel. C'est beau, ça. C'est beau, c'est ça qu'on veut. Voilà, c'est bien ça. Bon là ça bug, hein. je regardais juste ce que c'est. Donc
Des fois, je compte des blancs, genre. En fait, c'est parce que je réfléchis, je suis concentré, genre, sur ce que je fais. Et du coup. En vrai, ce qu'on peut faire, une dernière chose, c'est faire un screen, les screen pump, mais ça va être chiant. Mais ça va animer, vas-y, donc je pense que je vais les faire. Donc là, vas-y, je prends toute la piste entière pour le faire, vas-y, hop, nique ça, gars. Du coup, là, on va mettre un point ici. Là, vous allez mettre. Vous allez zoomer. Pas trop. Alors, comme as. Là, vous mettez long. Et là, rapide. Nice. Donc là, en fait, j'ai copié-collé à chaque truc, chaque basse. Eh bien, re tout le monde. Du coup, j'ai terminé de faire les screen pump. Donc, normalement, j'ai mis un accéléré parce que c'était vraiment trop long. Donc, voilà. Donc, nous avons terminé le montage. Voilà. Donc, je mettrai un aperçu au début et à la fin de la vidéo pour ceux que ça intéresse. Enfin, au début pour tu vois, inciter les gens à regarder le reste. Tu vois, hein. Et à la fin, bon, voilà, tout simplement. Voilà, donc j'ai terminé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura aidé un petit peu pour ceux qui galèrent un peu. Bon, je pense que je suis allé un peu vite parce que je suis parti du principe que vous avez les bases hein, quand même, un minimum. Hein. Si tu veux apprendre tutoriel comment avoir les bases, vas-y, hein, tu peux y aller. Hein. Il n'y a pas de souci. Donc normalement ouais j'ai terminé ouais. Je verrai ce que ça rend rendu mais ouais normalement c'est cool c'est cool il y a bon j'ai pas montré plein d'autres effets que je connaissais parce qu'il y en avait vraiment trop en fait je me suis dit que ça allait durer trop longtemps tiens là ça fait 1 heure frère ça fait 1 heure je suis là donc ouais non non je crois pas donc du coup bah merci d'avoir regardé cette vidéo, laissez-moi un avis dans le commentaire parce que je sais que la vidéo est très longue, sachant que l'autre avait duré 1 heure et demie, je crois. Donc là, elle a duré 1 heure. Je crois qu'on ne voudrait pas. En plus, pour 1 minute de montage, hein, quand même, c'est pas rien, c'est un skill. Dites-vous que j'ai gagné quand même pas mal de skills, du coup, je suis content. Mais bon, bref. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Donc normalement, je vous dis, si je poste la vidéo cette semaine, je vous dis, je sors un montage Halloween. Donc là, je vais vraiment tryhard, là. Vraiment, là, je vais full tryhard. Donc voilà. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Et ciao tout le monde, les gars. Et bonne journée à vous, bonne soirée, bonne santé, tout ce que vous voulez. Allez, hop. Salut!